Un homme doit savoir qu'est-ce que c'est un juif, comment se construire intérieurement, de devenir un homme grand, un homme avec de la noblesse. C'est pour affronter le déluge qu'il y a à l'extérieur. Baruch Hashem, quand quelqu'un est à Yeshiva, il arrive à se construire et devenir au moins un homme pour pouvoir réussir sa vie. Venez, parce que c'est la plus belle expérience que vous pourrez faire un jour dans votre vie. Venez nous rejoindre, venez apprendre la Torah, venez avec nous écouter ces beaux messages que la Torah a nous enseignés. Donc on se retrouve finalement avec des différences, et donc on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre. On apprend la Torah, et avec la Torah, on devient des nadins. Et ça transforme une personne. Cette expérience, c'est une déconnexion de... des études, de la famille. Prendre connaissance de la culture juive. Et un juif qui n'a pas eu cette expérience passe à côté de beaucoup de choses. Pour pouvoir avoir un avenir correct, un foyer extraordinaire, et surtout pour créer l'alliance qu'on a avec Hachem et avec Israël d'une manière très épanouie. Je l'assure, il n'y a rien qu'on peut faire durant la vie de mieux que quelques mois ici à la Yeshiva.